Yop tout le monde, c'est Melarset, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude sur ce monde, on se retrouve pour l'émission du jour du samedi 2 octobre, donc déjà le deuxième jour de... du mois, pardon, j'ai déjà la semaine mais pas du tout. Donc aujourd'hui j'ai déjà regardé ce qu'il y avait plus ou moins, il y a de la mission V-Buck aujourd'hui, ces dernières semaines, enfin cette semaine plutôt, entière là, il y en a eu je pense tous les jours, hein. Ouais tous les jours, hein. Entre 1 et 3 il y en avait en vrai. Briarwind Dartek en épique, Predator en épique, Darder Lunette en épique. Ouais, il y a pas mal de schémas épiques aujourd'hui en Fontainebois. Il y a un dissident aussi. Ouais, ça fait quand même 4 missions. Ça fait 400 motifs d'armes en fait. C'est plutôt pas mal. Non, en vrai, c'est pas ouf. Mais ouais, du coup, comme toujours, je me fais interrompre là. Putain, c'est ce qui se passe là. Des gens m'invitent dans mon groupe et tout. Oh. Et c'est bon, hein. Moissonneur encore en épique, ça vous fait 500 motifs d'armes du coup aujourd'hui. Rien que faire Fontainebois et Villeplanche. Sachant qu'il faut 1050 hein, par arme, donc c'est pas si ouf que ça. Il y a un déchiqueteur et un veilleur enfumeur aussi en épique, ça vous fait quand même 600 motifs d'armes là déjà. Moi ça fait 6 missions qui. 6 missions ça dure 2 heures hein, déjà donc. Enfin, j'abuse un peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Donc, pistolet épique, Sarah, maître du Juriken, pulse révirateur, sol à projection en épique. Il y a pas mal de schémas comme d'hab. Hein. De toute façon, c'est du classique. Par contre, j'ai vu des missions V-Buck, elles sont où? Je les ai ratées ou quoi? Ah, voilà, là. Première, livrer la bombe, désert 64. Il y a juste un mini-boss et il y a un petit 75 d'écu épique avec. C'est plutôt sympathique, hein. Et la deuxième qui est la Chevaucher la foudre, Fulgeroute, donc c'est deux missions mornes. Donc voilà, c'est du squattage de morne. D'ailleurs, Romain, si tu veux faire un peu tes missions mornes, vu que je sais que t'as pas fini tes pages, bah, y a des missions comme ça, tu peux en profiter pour faire tes missions du coup. Bossman qui donne 110 DQ rares, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et là on arrive sur du Picardie, sur les missions qui sont censées être les plus intéressantes, à voir s'il y a un truc intéressant à voir. Donc déjà, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Bon, il y a deux armes épiques encore une fois. Ils aiment bien mettre des armes épiques. Hein. Mais c'est dommage qu'ils font pas genre arme légendaire obligatoire en pique. Arme épique à morne. Arme rare à Villeplanche. Et genre arme verte ou ouais, verte à Fontainebois, tu vois ce que je veux dire, c'est logique. Des ingrédateurs Vindertech, je sais pas quoi. Défenseur physique d'assaut, si je me trompe pas. Femme, donc c'est plutôt sympa. Ça vous fait des manuels d'entraînement. Un petit juge, là il y a une petite mission intéressante. x4 gouttes de pluie avec 200 000 d'XP de survivance. C'est plutôt sympathique, on va pas se mentir. Petit assommoir légendaire. Petit x4 gouttes de pluie ici avec 300 récupérateurs, ça peut être sympathique. x4 foudre en bouteille avec 22 fragments de tempête, ça peut être intéressant aussi. Donc là, les 2-4 joueurs en 124 sont plutôt intéressants. Évacuer le refuge et récupérer les données. En plus, c'est des missions qui sont, ma foi, plutôt faciles, hein. Pas se mentir. Là, on arrive sur les 232 en 4 joueurs qui sont aussi intéressantes. En vrai, x4 avec Disclone avec 266 DQ épique, ça peut être intéressant. Et petit x3 DQ épique avec un petit défilège avec 82 foudre en bouteille, ça peut être également intéressant. Petit lance-grenade épique, pourquoi pas, avec 90 gouttes de plus, ça peut être intéressant. Là, on arrive directement du coup sur les 140. 4 joueurs, donc x4 XP de héros avec 225 000 DQ. 200... Quoi? Attends, quoi? 225, oh calme. Oh, j'ai sorti 225 000. Non, tranquille. 225 DQ léger. Elle est pas ouf cette mission là. Là, c'est une mission vraiment pour les XP de survivants. Si vous avez besoin, x4 plus 325 000, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais évacuer le refuge et livrer la bombe XP de schéma avec 61 UDIS clones. Donc, clairement. Les 144 joueurs d'aujourd'hui, je les trouve pas ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Après, là, on arrive sur du x5 récupérateur avec 78 du cyclone, x5 foudre en bouteille avec 415 récupérateurs, x5 fragments de tempête avec 70 du cyclone. Donc voilà. Et la dernière, oui, ici, 110 fonds en bouteille x5 XP de héros. Donc les 160, les 3 là sont intéressantes. Celui-là, un peu moins. Enfin, elle est quand même intéressante, mais un peu moins vu que c'est un 4. Oui, 4, du coup, c'est pas fou. Après, on arrive directement en aventure.
en aventure, donc voilà. Ouais, Marie, tu peux attendre 2 minutes, s'il te plaît. Marie? J'appelle mon papa par mon prénom. Oui, mais tu peux me laisser 2 minutes, s'il te plaît. Enfin, je te parle juste après, s'il te plaît. Je fais ma vidéo. Merci, petit cœur. Bon, j'en étais où? Oui. x4 œil du cyclone ici, encore une fois, avec 225 gouttes de plus, c'est plutôt intéressant. Petit assommoir épique, propulseur mural en légendaire. Ça peut être intéressant. Défenseur sniper, fusil à pompe à tube, dalle de soins épique. Oh, un petit survivant légendaire là, ça peut être intéressant. Donc là, il y a 3 missions intéressantes. Je pense que je vais aller faire les 3. Les 2 missions. Oh, il y a même 4. Bon, mon FIFA, je pense que je vais jouer cet après-midi au final. Oui, j'ai acheté FIFA, les gars, si vous voulez savoir. Donc je vais probablement faire de gros lives dessus, quoi. Ce week-end là, je vais bien tryhard. Donc aujourd'hui, petit récap, il y a 2 missions sur Enlège, 2 missions Epoch. Et c'est tout en vrai dans l'idée, il n'y a pas de truc bien bien ouf. Donc ouais, il y a quand même ça qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter, Snap et Discord. Très important si vous voulez jouer avec moi, que je vous aide et tout. Pour remonter en communauté, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, le petit commentaire. Et puis voilà, ça peut être intéressant. Et sinon, on va se retrouver pour une deuxième vidéo juste après sur FIFA aussi, enfin plus tard. Puis après le petit live quoi, de normal. Donc si vous faites tout ça, vous êtes des boss. Et sinon, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Donc je vous laisse là-dessus. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.